Voici l'IntelliTag de Somfy. C'est un détecteur de vibrations et d'ouverture de portes et de fenêtres qui permet de détecter si une ouverture est forcée. Le boîtier est très discret, il mesure 6 cm de long par 3 cm de large. Le colis que j'ai reçu contient le boîtier avec une pile fournie qui permet une autonomie d'un an. Pour fonctionner, le boîtier doit être relié à un système d'alarme Somfy. Chez moi, j'ai le Home Alarm Advanced. L'IntelliTag va être relié sans fil à la centrale de l'alarme avec une portée jusqu'à 200 mètres sans obstacle. La mise en service de l'IntelliTag est simple et rapide, ça prend 5 minutes. On lance l'application Somfy Protect et on se laisse guider pas à pas. On clique sur l'onglet Mes équipements et on ajoute l'IntelliTag à la liste de son matériel. On sélectionne le type d'ouvrant que va protéger l'IntelliTag. Ça peut être une fenêtre simple ou une fenêtre coulissante, une porte d'entrée, une porte coulissante, une porte de garage ou encore une porte intérieure. Puis l'appli détaille toutes les étapes pour la mise en service du boîtier. Il doit être placé sur la partie haute de l'ouvrant côté intérieur. Il se colle grâce à une gomme autocollante déjà présente sur le boîtier. On retire la languette de protection de la pile, ce qui enclenche automatiquement l'activation de l'IntelliTag. On referme le boîtier. Puis on ouvre la porte ou la fenêtre pour que les amplitudes de l'ouverture et de la fermeture soient enregistrées. Ensuite, on nomme l'accessoire. Si l'ouvrant sur lequel se trouve cet IntelliTag est forcé, ouvert ou détérioré, on recevra une notification sur l'application qui nous dira quelle est la porte ou la fenêtre concernée par l'intrusion et bien sûr, l'alarme sera déclenchée. Et voilà, c'est opérationnel. On retrouve ensuite l'IntelliTag dans la liste de ses équipements et en cliquant dessus, on peut le paramétrer. Ajuster la sensibilité à laquelle il déclenchera l'alarme. Le boîtier est aussi protégé par une autoprotection. S'il est ouvert ou arraché, l'alarme se déclenche. Déclencher l'alarme immédiatement ou après une mise en garde. Utile si on est chez soi et qu'on a juste oublié de désactiver l'alarme. Il est possible de faire des tests pour trouver le réglage qui convient le mieux à chacune de nos ouvertures. On peut également s'assurer du niveau de pile et que la portée radio avec la centrale est bonne. L'IntelliTag est un équipement discret et efficace pour protéger les portes et les fenêtres. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine !